sommes allongés au tonneau, ça se blesse, nous sommes dans le capitatif, les jeunes. Bon, Africa TV Network. S'abonner na Africa TV Network. Nde makambo bana poto bana Africa bana monde entier. Est-ce que vous m'avez touché le cœur? Allô, bonsoir papa Blaise. Bonsoir. Je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. Et je vous recommande dans les mains du Seigneur et demande aussi que vous priez pour la République démocratique du Congo. Je vous remercie de tout cœur. Ok, image. Alors les amis, à toutes et à tous, salut, bonsoir, bienvenue à la Déjouissa, qui est une émission de moi, Blaise Mokenge. Cette émission qui vous parvient à partir de la chaîne sur YouTube, ATN, Africa TV Network. Alors les amis, aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de vous faire un live stream, mais vous aurez ça en premier mode, compte tenu des petites difficultés liées à notre machine qui ne répond pas, qui ne sait pas faire le live. Alors je dois enregistrer l'émission comme je l'avais déjà préparé. Comme j'ai dit, à fournir des preuves que les jets privés prennent l'argent vers les paradis fiscaux, c'est pas facile. Alors aujourd'hui, Jama Kamoun Takamoun est à l'épreuve de la journée d'aujourd'hui. En plein Gombe, là où Jama Kamoun Takamoun a paru au tribunal. Mais ce que moi je comprends, c'est que Jama Kamoun Takamoun a surestimé sa popularité sur Kinshasa. Bon, Batouana, Balay 40. Vous voyez comment est-ce que nos policiers, baza moins sérieux, ils sont en mesure de rejeter la fibre tribale dans Nenge Yarousra Mangote. Alors, l'information que je vous ai dit hier, ça confirme encore davantage. Ça, c'est Senate Foreign Relations Committee. Alors, là, on parle, ça, c'est le compte Twitter du Sénat américain qui nous parle de la visite très importante des Anthony Blinken en RDC et au Rwanda. Ça s'accentue davantage parce que, vous savez, c'est compliqué. Les États-Unis ne seront plus protégés. Les Rwanda, Nenge, Boza, Koyeba. Alors, au pays, en attendant, c'est le lancement de la vente aux enchères des 27 blocs pétroliers. Didier Boudimbo à l'honneur, ministre du plan, premier ministre et tout ça. Félix Tshisekedi, je pense bien que Jama Kamoun Takamoun aurait été mieux à Zala Bakazion que à Zala, comme on le dit, comme une fauve blessée en train de faire la politique, comme si Abani Karen la politique n'ayait les lots. Pendant que c'est un politicien chevronné, il a été président de l'UDPS. Autre chose aussi, on parle d'incompétence autour du président, mais en attendant, il y a des travaux au ISA, Kosali Malamboka. À gauche et à droite, il y a un chantier qui est en train de se réaliser. Alors, la crainte des uns des autres, c'est que le chantier, une fois est sorti, et s'il y a mis dans la terre, ça sera compliqué pour les Congolais. Les gens ne seront plus, en tout cas, s'opposer à l'action des chefs de l'État. Surtout un peu Bongo, nous allons s'en sortir. Maintenant, pour commencer, les amis, je voudrais d'abord vous mettre un peu l'histoire de Jama Kamoun Takamoun. Jama Kamoun Takamoun, aujourd'hui, Azagina Taba tribunal, il a amené tous les militants de son parti politique, Nakati, lui et sa femme. Alors, ça s'est passé comme ça s'est passé, ils ont fait le vote du buzz, mais aussi longtemps, la police congolaise a récupéré la situation. Babagin Mango, rapidement, ils sont dispersés, ils sont allés vers Kingabwa, Kunda, côté Baouti. Donc, c'est Jama Kamoun Takamoun, l'ancien président de l'UDPS, aujourd'hui, qui a fait la vedette hein, un peu dans la ville de la Gombe. Tout le monde a parlé de Kamoun Takamoun. Pendant que l'autre activité, c'était la vente aux enchères. Il y a un bloc pétrolier très important que comparaison à Jama Kamoun Takamoun pour expliquer comment est-ce qu'un bon ou un paradis fiscaux. On le suit un peu à son cortège. Naba Girophare. Mais au moins de l'état qu'il utilisait, Kalaming était aussi là. Ce qu'il faudrait. Alors, on va l'appeler aujourd'hui, demain, après-demain. Ça sera comment? Est-ce que les gens qui l'ont accompagné seront-ils à mesure, je veux dire, de l'accompagner tous les jours? Les gens qui ont accompagné Kabunda Kabunda aujourd'hui, est-ce qu'ils seront à mesure de Kabunda Kabunda tous les jours jusqu'à la fin des temps? Moi, je pense qu'en politique, des fois, il faut savoir
calculer son poids, son kilo, pour que au mec on s'en mette au moins quelque chose. Parce que il ne faudrait pas nous faire des choses à la marque de la sorcellerie, ce n'est pas bon. En politique, il faudrait être responsable au salbacto et au thème et au cima. Alors, pour la compte en fond, il y a les camoyo, je vais faire un pas en différé. On va parler pendant très peu de temps, même 15 à 20 minutes. Si on a lancé mission pour le bandeko, na tiens on a YouTube, bandeko matala, avant de te réparer un petit glitch tout l'ango na direct na biso. Alors, les amis, là, j'ai fait allusion à deux événements. Bon, on a jamais commenté comment on a eu Batomoki tout ça, Balengi Babunda avec la police tout ça. Ça me rappelle un peu le film Sarafina et Afrique du Sud. Vous vous rappelez lorsque les Sud-Africains étaient en train de contester contre les Blancs, Bazakia, tout ça. Ça c'est un film, hein, un film monté sur liking. Ils ne sont jamais rentrés derrière. Ils voulaient la libération de Mandela. Mais quand la balle a tiré, c'était comme on le dit, moana bendana. Alors, ce combat contre les Sud-Africains, moi, j'ai l'impression que Kabunda aujourd'hui, une image à Koupé Sabiso, n'a mouvement n'est à contestation. Ce que vous remarquez, Bandeko, dès que vous avez la balle à libérer Kobeta, Bandeko n'a pas dans tout le sens. Ils sont là en train de vivre, bien sûr, on veut Mandela qui est libre, Mandela qui est libre, certes. Ça, c'est l'histoire. Hein? Il y a Bouboni, tant que vous avez Moko Likolo, on est pas Katimbango. Bon, on a payé pas Kabun, ça rappelle la même chose. Il a emmené au moins une vingtaine de personnes. Tango et Betty, Bango tout bakéi. C'est pour se dire que, dans la foi, dans la vie, il faudrait pas faire des choses, oyo, bon, quand vous gérez. Vous voyez, Kabun qui a créé inutilement de l'embouteillage à la Gombe. Tango, Betty, qui a moko, et même balé à Missat, hier, moi, c'est Nakatia Moutoka, Babenani. Là, seulement un film, c'était un montage, Bagirik, un peu, comme ça, on a dit, c'est l'ango. Alors, Kabun qui s'est présenté, les lots dans la cour de tribunal, je pense qu'ils ont mardi le sous pour que bah davantage. D'abord c'est qu'un peu moqué au moment quand que ça crépitait, comment est-ce que comme acquis parce qu'il fallait qu'avant on balungwa parce qu'ils pouvaient pas être là dans la rue de la Gombe en train de circuler librement à quoi déranger circulation. Il fallait faire tout bah dégager bango bah tu m'as sous bah ya kokomakona. Alors bah d'acquis moins de 20 personnes, mais vous y a bah créé des autres bah créé, ça prouve que les policiers congolais n'ont pas encore compris rôle la mango n'a pas moi il faut passer à la société comme le dire moniwana bah garde vos jeunes et bétami. Vous voyez bango tout beaucoup de amis tout cas bah qui m'embango. Kabunda Kamun se promène toujours en convoi, plusieurs véhicules. Ça signifie qu'il s'est tapé après avoir été élu au Parlement. La vie, oyo, la politique lui a donné. Non, le bâtiment qui s'écrit de mon PC, mais c'est la politique qui lui a donné par rapport à son courage. Maintenant, est-ce qu'il fallait que des tours batikouna? Il fallait tout cela en proportion quelconque. Vous voyez un peu, Babilo Kabou, c'est pas bien. Énervé un régime qui doit réagir. Alors, réaction à régime, est-ce que Baza Courtois envers yo, et là où il y a malamu au Sahili Bango? Parce que les régimes politiques en Afrique, généralement, tu as tendance à boyer, vous allez un peu, on peut dire comment, d'être fort, d'être répressif, hein, surtout parce que vous avez une chanson qui est réprimé yo, comme Kabunda Kamun l'a fait, à l'image, il y a un ANC, hein, en Afrique du Sud. Bako ganga wana, bagangi, babetika moko, bongo tuwa panzani. Vous voyez là, par exemple, ça c'est Kabund. Moi, ngouma, moi, la moke, batoba, moke. Alors, j'ai aimé cette image ici, aérienne, de nos amis qui ont pris, balaxibiso, pour plaquer Kabund, soukika wana. Vous voyez? Et puis, bakiru gana bande moko. Ça prouve que Kabund n'est pas si populaire, nané en manda koloa. Alors, quand ils sont entrés dans les cours de tribunaux, moi, je n'ai pas tellement aimé ça parce que c'est comme menacer si c'est une sorte de justice. So bakangi wa mingi sur la justice kende ka yomoko répondre na ba accusation oyo pour lesquelles on t'a appelé et tu réponds c'est tout ka mosili. Mais Kabund n'a pas dû faire cela. Il a été comme on le dit tout flamme, hein. Kabund Kamund a tout fait tout flamme. Il a répondu à l'accusation oyo balingi explicité. On voulait qu'il explicite comment est-ce que Mbongo ma radiette privée pour quota na paradis fiscaux. C'est un peu en quelque sorte. Alors les amis, c'était l'essentiel, l'émission en l'élo. Bon, avant, dans le petit cabinet, dans le chef de mon documentaire, mon co-bandego, et où t'as, là-bas, comment est-ce que, Kabunda Kabund, à sa propriété, va carré minier. Toi, on a un élément où, et salama, il y a quelques mois, hein, dans un conflit à Minisco, provincial et à Mine, Ndeko Chezaïba, vous rappelez, à Nobeta Pouana, quand ce documentaire avait été réalisé.
C'est toute une chaîne impliquée dans la commercialisation illicite des cobaltes et cuivres. À plus ou moins 150 km de la ville de Kolwezi, se trouve la cité Kakanda dans les secteurs des Bayeke. Ici, plusieurs dépôts d'achat de produits miniers évoluent depuis 2019 en clandestinité au détriment de l'État congolais. Sans aucun document légal autorisant leur fonctionnement, ces derniers appartiendraient à une certaine dame Joyce, proche du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabund. À en croire les témoignages des ouvriers sur place, ces dépôts appelés communément maisons ont été implantés par les ministres provinciaux des mines, Jean-Marie Kizayinga Sanama. Profitant de l'occasion, ces ouvriers ont appelé à l'aide de l'autorité provinciale pour leur situation dégradante de travail. Madame Joyce, notre patronne, et tout, barquoi comme installé quoi, ministre Tizainga na, na Monsieur Eric Tshisula, nous bal barquoi comme installé ça, depuis tout notre mika naie, depuis 2019, na leoi, Marie peut tomber le congouvu, bio tenini, ben assez que non, ni Monsieur Kabund, Njoko. Alikuwa iko na parapluie ya Mesekabuni, parce que Mesekabuni ni bwanake. Tunaonaka bantu ya leta bana kuyaka, abaripake taxe, bana bafukushaka, na hivyo abaturipe. Tuko naishi mpaka kwa nguvu, abaturipe, tunashindwa na kudeklare madroa yetu, vile banasema ni bibu wa Kabundi. Hormis ses refus délibérés de se conformer aux lois de la République, ces dépôts caporalisent tous les marchés de produits miniers dans cette contrée de la Provence, au détriment des autochtones évoluant en toute légalité, à en croire l'un des responsables des dépôts et président d'une coopérative. Je suis autochtone, je suis un homme, je suis prince, chef de terre Kamimbi, je suis tout depuis fin 2018. Tunatumika hapa mimi unaona leo kaji vile labakia madepo iko wazi parce que shit kuba plus faible ba plus fort barikuya madame Joyce installé par ministre Tshisekedi banamweka pale yulu unaona leo madepo iko vide ba chinois beko nakimbia banenda kule parce que shit kunalipa mataxi ya province bo baripe kitu beko plus fort beko installé la ministre beko natumika na cooperative ya Tshisoleric Tshisola conseiller dirka bo ministre. Mais on a tout mis à madame Joyce, ça veut dire que madame ou président Kabund. Alors, ça, c'est tout plus faible, là, tu as fait un kint. Je suis là pour tout le parce que je tourne à la ma taxe. Coule à la ma taxe. Alors, tu n'as pas qu'à y faire un dépôt avec Covid. Tu n'as pas qu'à y deux dépôts. À quoi on a bien tout. Mais on a pas qu'à tout le monde à chaque fois. Quand tu as le plus fort. Les malais profonds déplorent le chef des terres, Kambimbi, qui pour lui, les autochtones. Alors, trêve de commentaires, on a un peu une idée de là où la fortune de Kabunda est venue. En politique, on s'enrichit. Moi, je n'ai pas de position par rapport à cela. Mais il faudrait quand même qu'on mesure tout le bas. Un peu le marmot au salaire. Hein. Il faudra se mesurer, que c'est mesuré par rapport à ma mission aux Anango. Parce que si on apprend maintenant que Jean-Marc Kabunda a de plus en plus d'ambition au-delà. Peut-être il y a eu un comme OEDP à faire hacker. On apprend que Kabunda n'a pas été naïe à aucun des à tous les niveaux donc Kabunda non moi si naïe peut-être bah on rêvait plus en haut un jour bas à fauteuil présidentiel tapis rouge ils ont embêté en politique sous mérité tant mieux aux yeux en haut comme il y a eu c'est un peu ça avec notre frère Jean-Marc Kabunda Bandeko c'était juste un petit numéro alors tout dans le lobby bien sûr on a live hein dans un coup configurer machine je n'ai pas encore le live stream ils ont simbaté mais lobby et ça va marcher. Alors les amis, au revoir et à demain. Donc tu en as plaisir, Nyonso. Nous sommes à l'OMI et au Togo. Ça se blesse, nous sommes dans le capitalisme de Trent. Africa TV Network. S'abonner, s'abonner à Africa TV Network. Nde makambo, bana poto, bana Africa, bana monde entier. Est-ce que vous m'avez touché le cœur? Allô, bonsoir, papa Blaise. Bonsoir. Je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi, you guys. You are watching Africa TV Network. Et je vous recommande dans les mains du Seigneur et demande aussi que vous priez pour la République démocratique du Congo. Je vous remercie de tout cœur. Image, lis sur aigle. Papa, tu le bats plus vite, quoi.
Bandeko, toi tu crapais un mot sentiment. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. C'est pas une prophétie. Mais tu as l'élo bando, ton yon soit ma bé, moninga, talakanenge. N'allez en dernière position, bon gomima. C'est pas possible. Justement, c'est là le combat qu'il y a chez nous. Chez nous, c'est que ministre des Sports à l'Évisie. On va voir Jacques Amingi. C'est pourquoi même l'émir du Qatar s'est intéressé à la.